Alors, l'ISEG est ravi d'accueillir l'édition 2022 des RDD2, donc l'événement annuel des référents RSE développement durable de la Conférence des grandes écoles. Cette année, l'événement porte sur trois enjeux principaux. Donc, les indicateurs, la collaboration avec les étudiants et le bien-être des managers RSE dans un contexte qui est très changeant. Cet événement permet aussi de se regrouper, se retrouver, de partager des moments conviviaux et de découvrir des initiatives qui sont portées par nos partenaires, par exemple la visite du quartier Vauban avec les bâtiments démonstrateurs de Lifetree qui sont portés par l'Université catholique des Lyons. Merveilleuse édition. Je pense que l'exemple le plus marquant, c'est ce qu'il y a derrière nous. Hein. C'est la convivialité. La convivialité, c'est un élément essentiel de cette manifestation qu'on organise depuis plus de 10 ans, tous les ans, dans un établissement d'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, c'était à l'USEG à Lille, qui nous a merveilleusement accueillis. Convivialité, mais aussi réflexion, travail collectif. On est là pour rassembler les référents, développement durable de l'enseignement supérieur, et les aider, leur donner un cadre d'échange, de discussion, de construction collective. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une très très belle année. On est sorti de 2 ans de confinement, je pense qu'on avait tous besoin de se retrouver. Participer à la conférence RDD2 en tant qu'étudiant, c'est une opportunité à la fois de rencontrer des acteurs engagés au sein de leurs différentes écoles, de la conférence des grandes écoles, mais c'est aussi l'opportunité de présenter les différents projets qu'on a pu mener au sein des associations, au sein du Responsible Leader Programme et en tant qu'étudiant engagé au sein de l'école. Mon ressenti vis-à-vis de cette conférence, c'est que les administrations et nos écoles cherchent vraiment des solutions et des moyens à mettre en place concrètement dans nos écoles afin de suivre cette logique de développement durable et de responsabilité civile. Aujourd'hui, c'est à nous les étudiants d'accompagner ces initiatives portées par nos établissements afin de rendre l'éducation plus responsable d'un point de vue environnemental et sociétal.